Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi. Les cheveux dans le vent, ma main petite dans son poing énorme. Les comtés chantaient contre lui, les matchés matchaient lui. C'est inscrit. La scénographie de cette exposition intitulée Sèvres s'articule autour de trois thèmes essentiels. J'interviens à Tropicatrium en tant que formatrice pour le groupe amateur. Si je continue avec autant de plaisir à intervenir avec des amateurs, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes, c'est le plaisir de transmettre quelque chose. Le théâtre permet de toucher des choses humaines, personnelles, et je trouve que c'est quelque chose de fondamental pour les gens. C'est la première fois qu'il y a une formation pareille en Martinique, et de cette qualité-là, avec un objectif pour les jeunes, avec un diplôme, ce qui est quand même très très important pour eux. Je crois que c'est une chance inouïe pour nos jeunes, avoir 16 ans, venir faire des cours de théâtre pendant 3 ans, gratuitement en plus. C'est une aubaine, ça ne se fait pas ailleurs. Je remercie Tropicatrium de permettre à nos jeunes de rester au pays et de pouvoir se former, obtenir une formation de qualité et bien sûr, dans la voie artistique, nous en avons besoin. C'est un projet qui nous a été proposé donc il y a 2 ans par les musiciens et aussi par Tropicatrium. C'est un projet dans lequel nous nous sommes immédiatement lancés parce que nous avons besoin de ces projets-là pour nos enfants. C'est un moment où on a pu réunir toutes les compétences de nos collèges, de nos lycées, pour arriver à faire quelque chose de vraiment de sublime musicalement. Aujourd'hui, je me retrouve en résidence tremplin à Tropicatrium pour toute la saison. Je travaille sur cette résidence à une création théâtrale qui s'appelle « Ces filles-là ». J'ai été repéré dans une jam session et on a postulé donc pour le travail de résidence à l'Atrium, qui est la scène nationale donc de la Martinique. C'est un projet qui reprend mon arrivée en Martinique, donc l'héritage culturel, l'ouverture sur le monde. Ce projet... Il m'intéresse beaucoup et il est très important pour moi justement parce qu'il me permet de ne pas choisir et qui me permet de tenir en équilibre ces deux aspects de la connaissance que sont donc la création et la réflexion. Le projet dans lequel je me lance cette année est un triptyque qui s'intitule Les îles de Raphaël. J'ai commencé une collaboration avec Tropicatrium scène nationale de Martinique depuis septembre 2020. Cette collaboration est à partir d'un projet qui s'appelle « Dire non ». Depuis septembre 2019, je suis compositeur associé à la scène nationale Tropicatrium. C'est un honneur pour moi, c'est vraiment un grand privilège. Je suis très heureux d'être entouré de professionnels qui m'accompagnent dans le développement de ma musique. C'est un projet qui est très enthousiasmant et très excitant.